Remercier le président de la République de m'avoir encore renouvelé sa confiance. Depuis qu'il est à la tête du pays, le président de la République Macky Sall n'a cessé de placer sa confiance en ma modeste personne. D'abord en tant que ministre délégué chargé du budget, après ministre de l'Intérieur, après ministre des Infrastructures, après ministre des Finances et du Budget. Et aujourd'hui, encore, il m'a renouvelé sa confiance en me nommant ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République. Je ne peux que le remercier sincèrement pour toutes ces marques de confiance. Naturellement, là où je vais, je m'évertuerai encore à davantage bénéficier de sa confiance et je ferai tout, effectivement, pour réussir la mission qu'il m'a confiée. Concernant notre grande maison, je félicite mon collègue, mon ami, mon frère Mustapha, Mahmoud Mustapha Ba, pour être plus précis, donc qui vient à mes deux places. Et je ne peux effectivement que l'en féliciter et remercier le président de la République aussi pour ça. Mustapha, c'est son frère, j'y reviendrai. Mais fondamentalement, j'estime que c'est le couronnement d'un mérite et d'un travail acharné que Mustapha a eu à faire durant ces 30 années qu'il est encore. C'est dans ces 30 années qu'il est encore à la tête, enfin qu'il est encore au ministère des Finances. Chers collaborateurs, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur général, directeur, chef de service, je tenais à vous remercier sincèrement aussi pour cet accompagnement. C'est plus de 3 ans et demi que nous avons eu à vivre ensemble dans cette grande maison, particulièrement importante pour le pays. Il est vrai que nous avons réussi de très belles performances, vraiment de très 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 belles performances, mais il faut aussi nous rendre compte à l'évidence que nous avons vécu des moments qui n'ont pas été de tout repos. Comme par hasard, nous n'avons eu à ne gérer que des crises. C'est la Covid d'abord, depuis plus de 2 ans. Bientôt 8 mois avec la crise ukrainienne. Si on le sort effectivement donc de ces 3 années et demie, vous vous rendrez compte, nous n'avons vécu que dans ces situations. Mais grâce à votre travail, à votre travail acharné, à votre volontarisme, vos efforts communs, ensemble, nous avons réussi à tenir. Je vais emprunter à Mustapha le terme qu'il chérit cet instant, c'est-à-dire nous avons été résilients. Nous avons tenu, effectivement, et là, c'est grâce aux efforts de chacun d'entre vous que j'ai tenu sincèrement devant la nation à vous féliciter, à vous remercier pour tout cela. Bien évidemment, Mustapha, je le disais tout à l'heure lors de la passation de service, j'avais pas besoin de lui dire les dossiers urgents. Les urgences de l'heure simplement parce que il a été presque mon doublon tout le temps que j'ai passé ici. Donc c'est dire effectivement le professionnalisme du nouveau ministre des Finances et du Budget, son abnégation, mais surtout son sérieux. Et je n'ai pas vraiment de doute effectivement donc que cette mission sera couronnée de succès.